yo prend décision pour libérer qui est Edwin Tonton, qui c'est madame CAS là, gen droit gen moun là qui pas de konn nouvelle ça qui étonné. Oui, il était encore dans prison, il pas jamais libéré. Il était dans prison mais désormais moun sa yo été arrêté pour corruption qui c'est Edwin Tonton et Pierre Richard Vallès. Eh ben yo libéré entre guillemets pour des raisons humanitaires. C'est ça. Bon, m'te remarqué madame Navrel t'a marchant Jean Kayak, mais m'te elle bien en forme. Elle m'a gardé là. Ça a dit ça t'assemblé dans prison, elle fait vie rêve bien tranquille parce que m'a gardé elle moi elle bien en forme. Mais elle dit que il pas en forme, il pas fin OK, etc. M'pa connait. C'est mot de passe tout ancien dirigeant tout monde dans pays ça. Donc ancienne directrice CAS là Edwin Tonton et puis ancien comptable en chef institution ça. Pierre-Richard Vallès est libéré provisoirement par la Cour d'appel de Port-au-Prince, journée mercredi 21 août 2024, là, pour raison, ça a dit, humanitaire. Donc, santé au pas fin, ok. Accusé de trafic d'influence dans le cadre des affaires qui viennent pour l'argent qui détournait pendant l'administration Madame Tonton dans CAS. Donc, il a été arrêté en avril 2023, pendant que il était venu répondre à une question juge instructeur Jean-Wilner Morin. Nèg sale depuis son nèg et ça te fait un pile nèg permissieux. C'est pas nèg qui dans Zagreba monde qui pas pour y banken détracteur type bluffeur et partisan gang qui gen qui kèw sauté parce que y a dossier que les jumeaux a traité gen non journaliste hein qui gen l'est apparaît dans quelques recherches qu'a fait et c'est ça et puis nèg commence à attaquer les juges Morin là rapide rapide. Eh bien, c'est ça qui passe, qu'il faut avoir un pile de KPC et bagaille là, vous comprenez? Eh bien, justement, juge Morin était fini de Madame Tonton, il estime, parce que Madame Nagon, on tire 4 seulement, quoi, elle gagne soit 80 000 gouttes sous lui ou bien plus, on tire 4 seulement, et s'il pas plus même, t'as gardé, son j'aime tes passions, il faut plus te font tweet sur ça, ça fait un bon titan. Eh bien, gon proche li qui dit, il a passé 3 mois dans l'hôpital, qui donc gagne le pas de fini en forme vraie. Et bien finalement, et bien gagné la cour d'appel de Port-au-Prince qui décidait pour libérer mais et madame Tonton seulement pour ça libérer comptable à tout. Et il était l'hôpital tout. Et ben pas connait, nous pas connait. Et bien si y a grâce qu'a fait, gon paquet prisonnier là, ah ben bon tout aller nèg ça. Mais arabe sorti là au bal nouvelle pour bon moi. Gon mais côté arabe, mais arabe là, arabe vin là au bal nouvelle pour bon moi. Gon paquet prisonnier là qui a souffri, qui dans situation compliquée, qui pas ka joindre libération, yo t'arrêté dans rimage, qui poko jam passer devant juge parce que là gon ti problème tout oui. Et pas parce que madame nan libéré mais ou avèl, si yo estime que le mérite libéré, OK, mais pour qui ça Haïti? Tendez Pierre Richard Frem. Tendez Pierre Michel. Haïti n'a pas justice qui a plusieurs volets. Nous avons justice, même avocat parfois, oui. Gen dossier ou avocat, yo tchou tchou pour parce que dossier ça gen l'argent, c'est logique. Mais gen dossier tout ou avocat rien ka là dedans. Hein? Là gen petit problème. C'est bon problème qui gagne. Nous jeune mettre Blaise mais n'a pas essayé prendre même l'autre numéro mettre Blaise ou pas essayer l'autre numéro pour se passer sur lui non l'autre là on te resserre les encore sur lui on pas trop sur te reler me reler sur lui encore mettre Blaise pour voir sous ta passer la passer plus correct tendez bien oui ça dit Haïti compliqué parce que nous en justice à plusieurs volets plusieurs niveaux ça dit merci mettre Blaise là le vini nous jeune tendez nous en justice à plusieurs niveaux comme si laisser malheureux malheureuse li gon forme justice. Laisse là qui gagne l'argent, le conforme justice. Imaginez que, et regardez comment vous êtes en cour libéré pour ça. Vous dit pour raison humanitaire. Gagne un jeune là qui est en prison là, qui gagne 10 ans de fermé là, qui tebe, oui, qui fait maladie, tuberculose en dans cellule là, pas un bon soin. M. Blaise avait donné un bon petit avec tout de suite. Merci, M. Blaise. Tendez, oui. Ça veut dire, il y a un petit jeune là qui est dans la prison, qui a été arrêté, qui a été pris en arrimage, jusqu'à présent qui fermé, qui pas jamais passé devant juge naturel. Yo. Alors que gros autobreyo yo devant juge presque chaque mois, pour y'a attendre, tendez ici, tendez, madame n'a tellement marché, puis elle fait le mal devant tribunal. Alors que chargé l'autre qui est dans la prison depuis 7 ans, depuis 10 ans, qui pas jamais passé devant juge, yo, qui attendait là. Sous quoi est-ce que tu fait?
Attendez, côté arabe. Kounya arabe les amis liés, papa. Oh, oh, kounya le arabe parler là ici, tel si tel voye nouvelle ba. Côté arabe. Hein? Zouke, c'est lui voye Ariel aller. Hein? Les tout lui voye Ariel aller, quelle raison lui? Hein? Parce que l'op garde pour wè. Si la prité déclaré, c'est Claude Joseph qui va ni plus balle avec. Ça dit là. En tant que premier ministre, il était là. C'est lui te vend plus balle, plus arme à Tilapli. Je veux dire, nous faut pas prendre parole Tilapli à la légère. C'est même je lève avec vous parler. Tu tapes Claude. Mais pas ça besoin. Je dois faire zèle. Faut qu'on ait tout le monde qui tombait dans quartier populaire. Massacre la saline, massacre même. Prisonnier au Dim. Qui fin gangsterise pays là et puis on forme une association malfaite 9 membres. On dit crée présidentiel. C'est peut-être ça nous même n'a goumé et n'a goumé pour prisonnier yo. Teriel Telis. Teriel Telis. Prisonnier au Dim. Hein? Soubez qu'on côté côté Teriel Telis des fanatiques. La prison pour aller. Aller dans prison pour elle pour 4 5 ans, 5 et 6 ans pour toute diligence là faire pour mettre la jolle en charge pour aller attendre Teriel. Et mon seul tété ya parce que qui ça le besoin d'attendre dans bouche Teriel côté Teriel mandé libération. Moun qui dans détention préventive prolongée, moun qui innocent yo. Tête canade pas gagne relève pas gagne répondre yo. Oui. N'ap salye chaque grain haïtien à travers monde là. Merci. 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 N'a tourné sous, n'a tourné sous et arabe parce que là nous bral fanti par la professeur Gabi Blaise, mais c'est juste pour me dire monyo c'est que effectivement sortant d'arabe dian c'est que gon paquet moun ki nan prison qui pas jamais passe devant juge naturel yo alors que y a souffri seul yo gon grand avocat jodi a cet été kon y a dit tete avocat peuple là il pa gen avocat peuple encore tout nèg a chercher manger au jeune ça a chercher puis au bagay en al faut dit par la mère Blaise parce que là donné au bail au mélanger dans même. Professeur Blaise Frem, comment nous y est? Nous saluons Teriel Telis et avec ce film pour l'état là. Si vous connaissez qu'on décalage horaire. Oui. Et puis. Il faut retourner à l'Amérique, papa. On va pas arrêter côté l'autre bois net. Mon cher, dès ton bel film, oui. Professeur Blaise, au connaît depuis le Léo, c'est que Gébaï nous pas fini de comprendre. Il a dit Gébaï que nous besoin clair sous les mains. Avant tout, comment sent-on? Est-ce qu'on est en forme? Santé en forme, nous fatigués, et puis dans cette actualité qui est un peu dominée, nous. Parce que, quand même, pour Haïti, c'est pays, nous, nous passionnés de lui. Et nous, quand on dit c'est seul pays, nous, même le nom à l'extérieur, mais c'est seul pays, nous, parce que nous, même, c'est ça, non. Donc, ça peut être attaqué, santé, nous, quand même, mais on a résisté. La résisté. Même j'en avais nous toutes, ou fait nouvelle, ou lit dans journal, ou tendez radio, ou tendez en pile réaction, ou suivre réaction sur les réseaux sociaux. Et hier, dans l'émission Tikozak TT, m'te même cité en tweet côté fait hier, côté dit une possibilité par rapport à tout ça qu'a dit yo pour la justice haïtienne capable d'agir sous sanction yo. Avant tout, qui ça, bon là, est-ce que c'est juriste à poser question ça, mais comme citoyen, qui sa sanction Michel Martelly voulait dire pour vous? Comment on vous prend nouvelle ça comme citoyen haïtien? Écoutez, on ne peut pas centraliser débat sanction ou mesures de sûreté États-Unis pour aller en compte de M. Michel Martelly, ancien président Michel Martelly. En tout cas, centraliser à ancien président Michel Martelly. Pour qui ça? Parce que c'est vrai que nous reconnaître et sanction. Mais monsieur de sûreté mon préféré dit que États-Unis prend à l'encontre de l'ancien président les grandes gravités par rapport avec les conséquences aggravantes, les grandes gravités et par rapport avec l'autre sanction États-Unis parce que c'est pas seul Michel Martelly qui fait revient des sanctions des États-Unis. Nous gagnons ancien sénateur, nous gagnons ancien député dont par exemple Gary Boudou, Daniel Kassi, ancien l'autre ancien premier ministre monsieur Lamotte et bon, mais tout là qui quelque sous écran là pour mon yoka ouais on met parler oui oui ancien président privé mais c'est vrai que faut non sincère en pas sanction qui prend à l'encontre de Michel Martelian les relevé dont des gravité particulière parce que lui gagné ça il est accusé lui de trafic illicite de drogue. Donc, exactement. C'est beaucoup plus grave que Ratio, effectivement. Nous sommes pas décentralisés là avec l'ancien président Michel Martelly pour une simple raison. En simple raison de, en question de, parce qu'on compte ça a été, et moi-même à chaque intervention m'a fait, bon, peut-être que c'est ça qui dérangeait en pile l'autorité politique haïtienne, pas toute, c'est parce que moi toujours voulu faire intervention mieux
Kopokomyo par exemple dépourvu de neutralité, ouais. Il va dépourvu tout de indépendance. Il a toujours été indépendant, il a toujours gagné une sorte de neutralité. Peut-être ça que il pas appelé prendre position pour quelqu'un de objectivité, il n'a pas appelé composition sur aucune intervention qu'il m'a fait. Et si ça fait que moi même chaque heure ou invité moi pour participer dans le débat avant pour discuter d'un sujet. Et il m'a refusé parce que j'ai toujours quitté ma indépendance point. Ou quitter ma neutralité, ou pas demander mon position, ou pas demander mon point de vue juridique. Ouais, et ça te fait c'est le citoyen. Mais vous comprenez. Maintenant, nous voulons comme si, pendant qu'on parle de particularité de gain dans le dossier Michel Matelian, c'est parce que vous parlez de drogue. Comme professeur, comme juriste, comme docteur, dis-moi, professeur Blaise, un monde qui est impliqué dans le trafic illicite de stupéfiants, en particulier l'on parlait de trafic de drogue. Est-ce que moun sa gen peine qui est réservée pour lui et qui ça veut dire même trafic de drogue là? Avant même que nous, peut-être que ma pine en profondeur cette question là, mais trafic illicite de drogue, c'est peut-être ça dans tout pays du monde, après que même Nations Unies fait une cellule. Même c'est de ainsi organes à part qui occupé de qui sont de trafic illicite de drogue parce que lui il est donc particulier et gravité pour qui ça parce que drogue j'en ai décision non décision au facadien ni et mon tabilto et tout à l'heure non propos yo c'est que lui impliqué un paquet de bagages lui entré dans un paquet de bagages lui déstabilise un pays. Li vient fait que au cas entrer dans blanchiment et ça fait tout à l'heure on a parlé de questions de monde qui s'est font des cantations un peu qui s'est groupe musical ancien président Michel Martelly avec Michel Martelly parce que monsieur Papédé et ancien président Michel Martelly parce que au contraire parce que groupe là c'est un moyen de blanchiment d'argent lié et groupe musical là même c'est un moyen que ancien président a utilisé pour blanchir en l'argent que gagne que l'idée par exemple que l'argent si l'argent lui sorti son argent sale qui sorti dans bureau qui sorti dans corruption au contraire c'est un groupe musical ça que il a blanchi parce que qui s'est passé le bon groupe musical qui a joué donc c'est comme si on gagne en compagnie d'essence on compagnie en service d'essence c'est que pas prendre l'argent en espèce donc mal quand on notaire moi dit notaire écoutez monsieur John Ball là il a porté et 300 000 $. On dit bah là pour rapporter 500 000 $. Oh, non professeur, tout à l'heure. Parti ça li important oui. Parce que on est bien on t'attendre, même ça l'a dormi, on t'attendre quand même. Et ti parti ça important. Ça veut dire nèg qui a fait promotion bal Martelly, yo promoteur, animateur, artiste yo. Ça va veut dire yo pas à l'abri non là parce que yo ka c'est comme quoi mi qui capable utiliser pour blanchir l'argent. Écoutez, m'pas aller pour me conclure à culpabilité aucun monde, mais effectivement, en réalité, Rété. Juridiquement, c'est un moyen pour blanchir l'argent. Et si par exemple, que bien 50 promoteurs, dans 50 promoteurs, ça y est, et par contre, moi, c'est un trafiquant, je prends chaque promoteur, je vais aux 500 000 $ américains, ou bien. Bah on connaît chaque mois fait comme la passer dans un mois, deux mois, trois mois, etc. Bah chaque promoteur bah on comme bah la mettre par une bah la mettre une 10 secondes d'ailleurs bon pratique fait dans blanchiment même et ça c'est pas moi même qui viens avec elle m'a inventé il sorti même dans en Italie parce que la mafia italienne à Naples c'est ça que on fait par exemple que moi il y a des restaurants après restaurant monde qu'on paye en espèces bah là bon les pas trop là à l'époque. Mais si on trafique de drogue, je prends 50 promoteurs, je paye au chaque 300 000 $, 500 000 $, je dois même acheter 4 ou faire bail 4 à ce pas même vendre même, et puis à la fin, à l'issue de soirée, je dis que je vais rentrer 500 000 $, je vais rentrer 1 000 000 $. Puisque le bail m'a été affiché, je suis un publiciste qui fait pour lui, je suis un notaire, je dis, mais comme ça, je vais recevoir, je vais faire. Les notaires disent, je vais faire une déclaration de soupçon parce que je vais faire soupçon sur moi. Je notais non parce que il y a tel bal qui était affiché tel le bal la fête et je notais pas refusé mais parce que effectivement que bal m'a été fait monter 500 000 $. Donc ouais ça me donne donc et là bon dangerosité effectivement même promoteur yo on pas dire ça lié mais même promoteur a un moyen effectivement de blanchiment d'argent même promoteur yo. Bon eh bien on retourne dans la question donc question trafic illicite de stupéfiants trafic de drogue. Les considérer comme étant un crime, c'est pas ça?
sont crimes transnationaux. C'est peut-être ça que ma permis de faire une introduction tout de suite en contexte. Sur la question des sanctions même. Et dans toute grande démocratie, en tout cas pas seulement grande démocratie, mais dans, on dit dans tout pays qui est organisé. Tout pays qui est organisé, il y a trois manières que yo contrôler la moralité au monde. La moralité veut dire que, par exemple, le monde, il manque de dignité, il manque de probité, il manque d'honneur, il y a une action qui est amorale que le commet. Maintenant, la moralité, ça, il y a trois façons qu'on peut contrôler. La première façon, c'est une procédure administrative. C'est-à-dire que il y a une institution indépendante, une autorité administrative, qui estime que le comportement individuel est anormal. Le comportement anormal, il dit écoutez, mon femme a une suspicion sur lui, ma enquête administrative. À l'issue de l'enquête, qu'on est en dépend mesure, c'est peut-être que moi-même, moi, pas. Juridiquement, pour moi, ni la France, ni les États-Unis, ni le Canada, ni l'Union européenne, ou même de la France, côté que moi, actuellement, pour moi, moi, estimer que le vocable sanction est inapproprié. La France utilise, ah. L'Union européenne utilise, l'Union européenne utilise, et le Canada utilise, pour moi, est inapproprié. Parce que, lorsqu'on parle de sanction, ou est deux bagailles. Sanction, faut le bon caractère punitif. Il faut que sanction tout le divini dont on s'en est pour les de nature juridictionnelle. Son juridiction qu'a pour sanction. Maintenant, alors que non enquête administrative ou pas après sanction qu'a pour des mesures de sûreté contre le monde. Pour qui ça? Parce que le ou bon pays ou estime que qu'un comportement ou individu qui est dangereux, j'en me souviens, par exemple, mon analyse de trafic en drogue, mon analyse de corruption qui sont crimes transnationaux, ou estime qu'on est un territoire là en danger. Parce que pour qui ça vous prend mesure, ça c'est pour protéger le territoire là, c'est la protection du territoire national. Ou dit que monde ça comportement les représente une menace pour l'ordre public pays non, parce que les rentrer dans le pays avec drogue, drogue n'a pas le détruit tout monde dans pays hein. Drogue n'a pas fait tout monde entrer parce que là on en drogue, j'en suis dit tout à l'heure. Donc pour poser une question, drogue veut dire que ça veut dire sang. Drogue veut dire transaction criminelle, drogue veut dire tuer. Donc il détruit un pays, il déstabilise et lui même il vient arriver dans question de commerce déloyal tout parce que l'organe doit connait on va prendre cob blanc pour mettre par exemple dans la paquet cob dans main lui prend lui utiliser lui mettre non n'importe Jean Vlay aller dans club gaspiller le voyer dans la mer voyer dans l'air vous comprendre ça me dit lui pas c'est pas sué pour lui et lui ca entrer lui font commerce pour même commerce avec lui vend à perte et que l'Europe vend un produit à $2 lui même lui dit ça pas garder parce que lui vend à 50 centimes concurrence déloyale voilà concurrence des dollars merci maintenant Kounia tout ça yo vient faire que Kounia maintenant des grands comportements dangereux comportement ça pays en dit écoutez comme sécuriser territoire maintenant m'empêcher mon ça pour accéder à territoire maintenant ou bien si mon était sous territoire tout moi décider pour m'expulser. Ça fait à lui à dormir en téléphone, mais moi, ça me dit que c'est important. Par exemple, ma fond parenthèse sur la question de éventuelle nationalité haïtienne et Michel Martelly, il est résident. Ou bien, il est une nationalité américaine. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, même l'État est une nationalité américaine. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on a une nationalité en pays, on ne peut pas acquisition, on ne peut pas naissance. Normalement, sauf erreur de ma part, Michel Martelly, c'est une nationalité américaine, il est une nationalité américaine par acquisition. Ouais. Maintenant, là, quand on parle d'acquisition, on veut dire qu'on vient dans le pays, on fait un nombre de temps, on a des conditions, on fait demande de nationalité au baoul. Attention, on ne gagne pas pour la vie. On ne gagne pas pour la vie. Lorsqu'on comportement, on a des infractions au commettre, automatiquement, ils sont condamnés. Après condamnation, ils ont une peine complémentaire contre eux-mêmes. Ils ont fait une condamnation à 20 ans d'emprisonnement pour drogue, parce que ce sont des infractions qui relèvent d'une particulière gravité. Ou pas tolérer ça du tout. Yo estime son monde qui dangereux pour pays. Hein. Non, pourquoi aller vite? Combien de temps on pense li kapran? Alors si yo ta bali, combien de temps on monde konsa kapran? Si yo ta bali, par exemple, m'pa konnen li sesyon américaine nan trop bien, mais normalement que on fait son comme ça, li nan la ke sa 20 ans, 25 tout. Ouais, li nan 20 à 30 ans d'emprisonnement. Maintenant, parce que c'est pas vente de parce que les mêmes décisions sont factuellement liées pas marquées vente mais marquées trafic en fait trafic beaucoup plus grave trafic maintenant trafic là les vins dépassent les frontières les vins ont une façon transnationale maintenant l'offre purge et peine ça a connu hein? Tribunal ça procureur de la République pas oublier l'offre exécution de la peine est relevée de l'autorité de poursuite qui c'est le parquet qui c'est le procureur fédéral aux États-Unis procureur ça a connu la fond demande pour dire monde ça est tellement dangereux l'État qui est nationalité été américaine dans le pays maintenant, on ne peut pas qu'à supporter parce qu'il faut perdre une nationalité. Les gens font demande devant l'autorité administrative pour déchirer mon nom de nationalité. Lorsqu'ils déchirent de nationalité, automatiquement, ils vont dans le pays.
Donc pas gain secret et là dans tous les pays du monde c'est comme ça lié. C'est d'ailleurs la politique migratoire là au Canada, la France, les États-Unis, c'est presque même bagarre là. Presque même bagarre là. Donc c'est que même l'organisation américaine ou pas faite dans pays hein, ou pas Amérique, ou pas organisation américaine ou française ou canadienne de souche l'endé ou bien ou pas faite dans pays hein, ou pas dans la société de souche, c'est acquisition à n'importe moment ou cas déchu de nationalité. C'est peut-être ça qui est une infraction que ou pas qu'à faire. Ou pas tous les ou fait. L'offre, le cas prend la nationalité dans le monde, c'est la perte de nationalité. Ah. Donc, c'est pas parce qu'on gagne la nationalité en pays qui fait que vous pensez que vous n'avez pas prendre la mort après ça pour tuer le Donc, oui, alors, pendant que je dis ça, c'est Fontigade justement, parce qu'on a connu assez One Click, des Fontigade en anglais. Et il dit que obligatoirement, on moun, par exemple, vous prenez un drogue, si son petit bail, substance qui pas tellement exagéré, minimum non, il y a de 1 an à 3 ans. Donc 90 days. Cependant, si son monde par exemple qui n'a niveau trafic drogue là, il y a aller de 20 ans, il quand même aller jusqu'à la vie dépendamment et si son bah qui répété comme si son nèg qui son narcotrafiquant qui répété, il y aller jusqu'à 30 ans et plus et si c'est dans cadre d'une large opération comme un gros baron drogue qui a coûté par exemple plus de 10 millions de dollars par année par exemple à faire dans drogue, il a coûté la vie même en prison. Ou mettre devant ces professeurs. Voilà. Voilà. Donc OK. Maintenant le on prend yon, après on mesure après yon enquête administrative au fait li même que li fin mené li on décide on autorité administrative et m'tap tande tout à l'heure à tout qui l'elle prend yon mesure comme ça m'tap tande ambassadeur américain en tout ambassadeur américain en Haïti hein. C'est que yo prend temps effectivement et décision yo a yo reposer sous un ensemble d'informations un ensemble de renseignements que yo recueilli ça pas dit pour autant que information ça ou gagne yo c'est li constitue une preuve probante mais pour yo c'est élément probant yo c'est peut-être ça moins dit tout à l'heure on sanction le mot sanction veut dire que deux bagages libres de caractère punitif li veut dire tout que faut sortir dans juridiction c'est peut-être ça ou après au fac dit ça. Au fait de consacrer, il n'y a pas d'intention, dans la décision, il n'y a pas d'intention pour punir. C'est normal, parce que l'aspect punitif n'est pas relevé de l'autorité administrative. Seulement qui a puni, c'est seulement le tribunal, c'est la justice qui a puni. Puisque, donc, comme il n'y a pas pris, par exemple, d'attendre un pile de journalistes qui dit que, qui inquiétait pour ça. Ça, et il n'y a pas gagné pour un jugement de valeur ou jugement de caractère sur l'ancien président Michel Martelly, mais c'est vrai qu'il y a un conseil, particulièrement Martelly, pour ne pas aggraver la situation plus. Dans le conseil, parce qu'en tant qu'avocat, le bon avocat ou bien, par contre, il y a un devoir de conseil et d'information. Le, il met dans la décision, il n'y a pas gagné un caractère punitif, c'est seulement pour corriger le comportement, faire attention. Ou après, même mot ça, même phrase ça, on peut utiliser dans la décision contre privé. Il y a utilisé le contre Enel Cassito. Pour qui ça? C'est comme si on prenait une décision. Le juge est tenu de motiver sa décision. Il y a une forme générale que le mettre là-dedans. S'il ne met pas mettre forme générale, là, par exemple, le juge a une décision. S'il ne met pas mettre voie de recours, là, il n'y a pas indiqué là-dedans. Ou qu'on voie de recours qu'on fait devant telle autorité. Ou qu'on tel délai pour faire recours là. Et, mais pour qui ça? Ou qu'on est à tel mois d'emprisonnement ou à telle année d'emprisonnement. Donc la décision n'est pas motivée, donc décision est nulle. Maintenant, c'est peut-être ça, ou après que étrangers qui forment dans l'institution, ils n'ont pas fait. Ils ont une formule sacramentelle à la fin des décisions, ils ont mis pour tout le monde. C'est normal parce que ils sont institution administrative, ils n'ont pas un pouvoir de sanction, c'est peut-être ça, moins dit mot sanction pour moi, inapproprié. Ils ont un pouvoir pour faire un bagage, pour prendre mesure de sûreté dans le cadre de la protection du territoire national. Ça fait que pour moi, la France utilise les sanctions, un régime de sanctions, la France gagne tout, l'Union européenne, un régime de sanctions. En fait, c'est plus l'Union européenne qui utilisait la partie d'une directive européenne. Mm-hmm. Une directive européenne qui dit qu'il y a un régime de sanctions. Pour moi, c'est inapproprié. Parce que en autorité administrative, pas qu'il y a des sanctions, il y a des mesures de sûreté. Maintenant, sous question de sanctions ou bien mesures de sûreté à l'encontre de Michel Martelly. Maintenant, qui conséquence c'est qui effet que le cas gagne? Nous sommes dit tout à l'heure, il y a une particulière gravité. Nous pas plus dans l'état ci. Li son trafic de drogue quand même jusqu'à présent c'est ça il dit non fait qui révélé non fait qui reproché avec Michel Martelly maintenant qu'on y a li et li dépasser frontières n'importe pays côté que li son crime transnational n'importe côté que trafic ça il a réalisé Saint-Domingue États-Unis Canada ou bien Haïti
tout pays ça a décidé pour poursuivre moun sa yo di reproché dans trafic si effectivement que trafic n'a réalisé sur territoire par là. Maintenant parce que l'on parle de trafic n'a pas fait États-Unis donc il sorti dans pays il a abouti aux États-Unis. Soit il sorti Haïti, il gagne en transmission par contre que il sorti Haïti gagne en transit qui fait soit République Dominicaine ou bien il fait en transit qui fait soit Colombie. Tout pays ça côté que si transit quand tu as fait dans un pays ou l'autre donc pays ça il gagne autorité, il gagne un pouvoir de poursuite à la compte de monde là. Maintenant pour nous, il y a des monde qui reproche qui dit comme ça que pour qui ça au fac ou t'as dit tout à l'heure, au fait prend une décision administrative comme ça, il n'est pas arrêté. Mais il n'est pas arrêté parce que il n'y a pas de pouvoir de sanction. Yeah. Maintenant qu'on y a, au fait qui ça au fait, et moi je suis certain que ça fait. Ça a une certitude même à 300%. Les autorités administratives font une décision comme ça. Ils prennent, comme dit tout à l'heure, pour protéger le territoire. C'est mm-hmm. dans le cas, ils ne prennent pas pour qu'un bagaille. C'est dans le cas de la protection du territoire, la sécurité intérieure. Maintenant qu'on y a, qui ça le fait? Il y a un filtre de communication entre autorités administratives là avec autorités judiciaires. Au fait, il n'y a pas bête, il y a une interconnexion avec autorités judiciaires pays, avec le procureur fédéral. Yeah. C'est même pas l'analyse à Tracfin ici. Il y a une institution qui est équivalente de au fait ici en France, c'est le Tracfin. Tracfin est occupé de bagages de blanchiment, etc. L'argent qui a rentré sous contrôle, il y a un suspect. Immédiatement que Tracfin, moi ça arrivé, je suis avocat en association française en Haïti. Il y a des copes qui ont ce compte personnellement. Tracfin, immédiatement, Tracfin, il y a un signalement auprès du parquet. Il dit, il y a un signalement auprès du parquet. Il dit, il y a un agent qui a passé ce compte, ce compte M. Gabi Blaise, qui a transité en Haïti. Donc, il faut que vous fassiez enquête pour qu'on ait côté M. Gabi Blaise. Association, ça a bon complexe, c'est pas blanchi, mais blanchi comme la voie association. Clair. Automatiquement. Maintenant, parquet, il y a un parquet, il y a l'association, il y a tout justificatif. Il y a un mandat, il y a tout document en même, association existe, etc. etc. Il y a tout le qui a fait. Le ça, il n'y a pas bon problème. Maintenant, c'est même janvier, non, au fac. Au fac, il y a une interconnexion automatiquement. Immédiatement que il y a essayé de pas oublier que nous avons tout, décision de vous poser sur ensemble d'informations et de renseignements. Les films prennent tout connaissant, ils estiment que vous avez un élément probant pour eux-mêmes. Eh bien, ça vous fait. Avant de prendre une décision administrative, ils ont informé l'autorité judiciaire là quand même. Quand même. Il n'est pas obligé de dire, il n'est pas obligé de mettre le public, mais il est informé parce que son devoir lié d'ailleurs. Son obligation, il y a une obligation pour informer l'autorité judiciaire pour dire ah, mais tellement de suspect qui gagne, parce que jusqu'à présent, il gagne son soupçon lié parce que lui présumé innocent, monsieur Martelly. Je dis, mais tellement de bons soupçons de lui. Mon ça, il paraît dangereux parce que lui représente une menace à l'ordre public américain. Moi, signalons sur ça, mais moi-même, mes mesures ne conservent pas comme je prends pour mesure de sûreté, mon temps pour une décision, moi, je dis, moi, sanctionnel parce que pour sanction économique, pour sanction administrative contre lui-même, j'en suis dit à l'heure, mon temps sont morts civils, parce que c'est son mort civil, parce que il n'y a pas qu'à gagner un cadre de crédit pour fonctionner, et le pas un cadre de crédit, c'est comme si on n'a pas qu'à acheter un billet d'avion, ou pas qu'à faire gaz à machine, ou bien des couteaux IPC avec Kata pour faire gaz à machine, ou bien des couteaux l'OVA ou pour l'OGON, on va les supplémenter avec Kata pour payer, pour l'OGON machine ça avec Kata, donc où sont mort civil en fait. Même l'OGON l'argent en espèce, non, on pas qu'à utiliser. Donc maintenant, là où fait une prendre décision, niveau le parquet, qu'on a assez parquet, qu'on y a, ça n'est le procureur fédéral là. Donc c'est le procureur américain qui va décider pour dire écoutez, fais ça yo, moi, ouais, lui, le V2 en particulier gravité effectivement, moi, décider pour me poursuivre. Sachant que aux États-Unis, pas gain ça n'est l'opportunité de poursuite aux États-Unis. Système anglo-saxon même pas gain. Système anglo-saxon c'est un système qui gagne l'égalité de poursuite. Maintenant, une fois que vous estimez que preuve là n'est plus probante, ça rien n'a pas fait jodi hein, il n'a pas fait non un mois, deux mois, mais il a fait tout, on ça n'a pas fait n'a pas fait, mais il même le gain pouvoir, ça c'est autorité judiciaire ou procureur là qui a dit mes documents m'ont gagné administrativement m'ont gagné dans mes au fac. Et comment ça vient de passer dans la pratique? Dans la pratique, c'est qu'ils font signalement. C'est ça qu'on a pas fait à dire au fac, ou bien institution administrative, ça, communiquer mon dossier. Faut qu'on a demandé officiellement, donc communiquer l'entier dossier. Les dossiers viennent dans mes parquets, à pas analysé, qui c'est pour que le fédéral là, le SAIO a décidé de dire à mettre action publique en mouvement contre mon nom. Qu'est-ce que ça m'a dit, ou bien la mort, ou bien quand ça m'a dit, on va les centraliser sur son matériel. Maintenant qu'on a, là, au fin, qu'on a, ils mettent action publique en mouvement, est-ce qu'il y a une arrestation? Oui, qu'il y a arrestation, parce que si vous mettez action publique en mouvement contre M. Martelly, vous estimez que vous avez fait probant. Fait probant, ça veut dire, écoutez, il y a trois possibilités. Une possibilité pour moi, pour Kembo, pour me dire, écoutez, vous représentez un gros danger pour Haïti, parce que vous déstabilisez Haïti.
m'estime que soit l'Haïti que je dis, n'est pas bon après influence parce qu'il y a un témoin en Haïti qui a besoin de témoigner. Par exemple, que quelle expérience parlant sous bagaille ça, l'autre association, etc. Bagaille ça, yo, il a estimé que si M. Martelly est en Haïti, ça fait pression sous témoin, il a fait pression sur ces deux victimes. Je dis, écoutez, je dis, je ne suis pas pris toi là, il m'estime qu'il est en détention provisoire. Parce que témoin, ça, on a besoin de témoigner, on a fait pression sur eux. On a assassiné, on a mouru, on n'a pas témoigné, on a soudoyé, etc. Donc, on n'a pas décidé de voir Haïti, mais on a demandé dans son provisoire. Constatons, on a dit, écoutez, puisque on a un gage sérieux de représentation aux États-Unis, on a un garanti, on a un passeport, on a décidé de m'assigner à résidence. Les assis, on a assigné la résidence, on a fait assigner à résidence avec un système de pointage. Donc là, le pointé, tous les jours, il est levé. Il a levé le pointé du lundi au dimanche à 9h30, là, le pointé, puis l'entrée de la Cali avec un bracelet électronique, quand il était sous bracelet électronique tout, ou bien un système de pointage tout court. Le sac, on n'y a pas qu'à quitter le territoire, mais procédure à suivre pour lui. Constatons, il a dit, M. Martelly, pour protection, pas où, parce que il est bruit que tu as gagné des soupçons sur la question plutôt qu'arriver, peuple n'a pas de bonheur parce qu'on porte à fort avec la population. Hein. Ou il y a une situation de faiblesse, parce que pas oublier que la décision, ça, il a affaibli Martelly politiquement. Ouais. Il a affaibli politiquement, puisque ou affaibli politiquement, ou a perdu en pile sympathisant avec partisan, ce qu'on a pour protéger vie ou soit l'Haïti, si nous quittons en liberté aux États-Unis ou qu'on a une tendance à l'Haïti, nous décidons pour qu'il y ait une détention provisoire, même pour ta propre vie, pour qu'on nous sécurise vie. Donc voilà en gros qui ça États-Unis qui a fait. Maintenant, quid Haïti? Et c'est là que je connais que ça intéresse pour Haïti. Oui, avant même d'arriver à Haïti, parce que ce que je dis là est tellement intéressant, et ça te fait que tu as choisi de parler à Koubou, tu es capable de comprendre, parce que c'est clair. États-Unis, nous avons dit hier, nous n'avons pas parlé comme si nous avons roulé dans la farine, parce que l'homme a tant de sous-secrétaires d'État qui gèrent les questions. Renseignement financier, c'est même j'aime déjà dit UCREF en Haïti, monsieur tout qui ont responsabilité pour gourmet contre terrorisme. M'a parlé de monsieur Bradley Smith. Donc dans intervention monsieur, il dit que parce que yo sanctionné Michel Martelly parce que yo estimé monsieur abusé de influence li pour faciliter trafic drogue dangereuse, y compris cocaïne, à destination des États-Unis. Tandis oui, à destination des États-Unis. Donc, si y a un élément, y a non mais qui prouve ça, pour que ça soit une simple sanction, y a parlé de Michel Martelly. D'accord, c'est femme tout doulant, c'est normal. Parce que le Pabli et que nous avons dit tout à l'heure, nous parlons de OFAC. OFAC, ça pour nous connaître, j'en suis dit, OFAC, pas tant pour UCREF en fait. Parce que UCREF, oui, dites pour UCREF, parce que UCREF sont une institution administrative. OFAC, c'est. Là, regardez OFAC, pas regarder des CBJ là-dedans. Regardez une institution administrative. Ouais. Maintenant, regardez une institution administrative, il n'y a pas de pouvoir de sanction, il n'y a pas de pouvoir d'arrestation. Même genre des CBJ travaillent pour le parquet. Même genre des CBJ travaillent pour le parquet, mais OFAC lui-même, il n'y a pas de travail pour le parquet. OFAC, pas oublier que les attaches, là, avec le département du trésor. Le département du trésor, c'est lié son administration. C'est l'administration. L'administration qui est liée, il est là pour surveiller avec protection. C'est comme si on avait la douane. Ouais. La douane n'a pas un pouvoir d'arrestation comme si en matière d'enquête. Pas. La douane a un pouvoir d'arrestation sur place en fait. Un pouvoir d'arrestation sur place. Lorsqu'on déclaration, la douane a ouvert encore par exemple, ça se passait en France dernièrement là. Et ils ont arrêté deux personnes avec dans la valise 2 400 000 euros. Dans valise 2 millions hein, euros en espèces. Ça vous fait la douane, ça vous fait en espèce avant cela. Ça vous fait, yo kembe mounyo, la douane kembe mounyo, c'est la police aux frontières. La douane kembe mounyo, elle est remettée à la police aux frontières. Maintenant, en termes d'administration, au fac son institution administrative, il y a un pouvoir pour lui mettre mandat pour dire ma parité, mais ça au fac qu'a fait. Ouais. Au fac, c'est ça que je dis tout à l'heure. Au fac, il y a une soupçon, il y a un signalement. C'est comme si on joint une institution administrative en Haïti, on dit que ministère affaires sociales, on va dire comme ça, qui ont soupçon sur un corps. Et puis ils font signalement à ULCC. Ouais. Donc, au fax, c'est pour voir ça le gain, ils ont pouvoir de signalement à autorité judiciaire. L'Elfine fait signalement à autorité judiciaire à Kounia, ils font ce dire. Non, mais si m'dable dit le langage qui pique clair, au fac, tout simplement, puisque ils sont entités qui travaillent en étroite collaboration avec Trésor, ils juste potent plainte.
en attendant suivi fait. Li dit mais qui ça me joine? Mais ça me joine et puis fait suivi yo. Parce que mal de bagage. Pour qui ça ça ne peut nous comprendre, ça peut nous comprendre non, pour auditeur comprendre leur au fait joindre un dossier contre le monde. Li si pour arrêter monde non faut ba monde accès à dossier. Parce que faut le respecter ça les droits de la défense. Faut monde avoir accès à dossier. Comme on est capable que par exemple que pour lui parce qu'il faut le respecter et présomption d'innocence lui là au fait prendre décision bah qui fondamental là comme on a fait recours contre décision alors que on va décision contre Matelien il pas dit que le droit de recours pas faire recours il qu'on demande de retrait mais pas il pas gain pas de recours c'est peut-être ça que on décision administrative ils sont décision administrative il pas gain pouvoir de sanction il gain pouvoir de mesure de sûreté qu'on a qui ça au fait qu'a fait au fait dit ah mais ça me pour l'instant, pour sécuriser le territoire pays, pour que les gens ne rentrent pas, les gens ne sont pas en train accès avec les banques dans le pays. Mais ça me fait que moi, je les promets du conservatoire, je les gèle contre les gens pour les pouvoir pour faire ça. Pour commencer, qui est bloqué, c'est le bagage. Wow. Les bloqués, c'est le bagage pour aller voir le dossier par le parquet. Procureur, c'est procureur là qui a demandé un entier dossier. Les procureurs qui ont demandé un entier dossier, le procureur a dit écoutez, fais ça tellement pour bon, décider que pour exercer l'action publique en mouvement contre mon nom. Claire, au fini, ou correct, donc, c'est exactement c'est ça. Au fait, cap déclenche pour suite là, c'est le procureur fédéral cap déclenché. Maintenant, au cas où demain si Dieu veut, si au jeune d'ailleurs ne pas peut-être mentir en essayé sincère dans propos nous, c'est sûr et certain. Si au dire, il prend mesure contre ça contre enfin un président Michel Martelly, il y a bien des faits. Il y a bien des faits. Non, il y a des éléments. Maintenant, avec fait ça, nous sommes dit tout à l'heure. Fait yon relevé donc particulière gravité, li pas même avec dossier et parce que pas mal de bagay. Lors mon dossier, ancien président privé, ancien et président chambre député Garibaldo, Nenel Kassi, yon États-Unis prend sanction contre tout même pour ça parce que y a financé gang. Mais ça c'est bagay territoire Haïti. États-Unis a négligé sous ça, c'est pas même bagay. Mais le États-Unis prend en sanction parce que mon nan trafic de drogue sur ce territoire là, sont l'autre bagay parce que le territoire parle en danger en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Territoire parle en danger. Donc là, très difficile, je ne dis pas non parce que je balance le secret des dieux, mais là, très difficile pour mettre action en public contre un monde que vous suspectez d'un trafic de drogue. Ce n'est pas même bagaille qui a déstabilisé le pays. Parce que vous déstabilisez le pays par loi, vous n'y avez pas même bagaille. Il y a espoir, papa. Parce que oui, au FAC, il m'a dit pour gagner institution financière américaine, il n'y a pas de droit prêter Matelly l'argent, il n'y a pas de droit bal cob, ni bal crédit, etc. Toute transaction de vis étrangères. Pouvoir limiter là. Pouvoir, c'est ça le comme pouvoir. C'est pouvoir administratif, c'est pouvoir économique. Maintenant, qu'on y a, c'est livre et dossier. Et ça, nous pas besoin de monde dire non, c'est sûr et certain, de communiquer avec l'autorité judiciaire. Il a déjà fait. Il fait ça parce que d'ailleurs, au FAC, il travaille tout avec DIE, il travaille. Donc, c'est vraiment important. On va suivre. Maintenant, le cas d'Haïti. Comment la justice haïtienne capable de réagir ou bien agir sous sanction Silayo? Pas seulement pour Matelly, mais tout le monde. L'ONU ou bien nation ou bien États-Unis ou bien Canada sanctionné, est-ce que les autorités haïtiennes capables agir sur le dossier ça? Pour être honnête et sincère avec toi, autrefois c'était difficile. Autrefois c'était difficile parce que le parquet gagnait plusieurs façons parquet saisi. Parce que l'ordre agit, veut dire que mettait action publique en mouvement. Parce qu'il y a plusieurs façons dans le système où nous manipulons, parce qu'il y a plusieurs façons de casser vie, il y a une façon aussi de clamer public. Clamer public, il faut qu'il fait sous territoire, en fait. Clamer public, c'est pas seulement l'étendue ça dans la radio, en journaliste ville, mais clamer public, c'est pas seulement ça. Maintenant, il y a casser vie tout par dénonciation. Dénonciation tout, il faut gagner un dossier, il faut gagner des faits, mon cas c'est dénonciation, il faut aller. Bon, je ne parle pas de dénonciation dans l'émission là parce que mon dossier qui est très sensible dans le conseil, dans la question du conseil président, c'est là que je ne parle pas de. Oui, je ne parle pas de consultation à aucune partie. Et dans le dossier ça, parce que le monsieur, il y a un avocat, c'est un avocat qui peut défendre, c'est pas moi qui peut défendre. Maintenant, le parquet qu'on y a pas gagné élément en main, il est difficile pour les poursuivre. Maintenant qu'on y a les sanctions qu'on prend autrefois avant 2023 et faut qu'on y a information sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on y a c'est la loi, c'est la voie diplomatique. On connaît la voie diplomatique, c'est la loi du plus fort. Est-ce que qu'on y a Haïti dans ton bagage contre un ressortissant?
li mande premier ministre normalement premier ministre li ou bien président de la République parce que c'est lui même qui chef diplomatie a li mande premier ministre mande ministre affaires étrangères mande ministre affaires étrangères là pour faire une demande de on demande diplomatique pour t'ajouter un dossier ça parce que dans des ressources c'est donc est-ce que États-Unis à Canada la France et là aussi peu importe pays il y a assez d'intérêt pour communiquer dossier avec Haïti etc il n'a pas appelé il y a du secret de l'instruction ou bien que pas grand rien qui déclenche contre dans le pays donc l'été vraiment l'été lourd procédure était très lourde maintenant qu'on y est sur Ariel Henry et Ariel Henry vient faciliter et bagaille qu'on y est Ariel Henry facilite de bagaille qui donc Ariel défend Ariel fait un coup quand même bon par contre mais et Ariel Henry gouvernement Ariel Henry il facilite bagaille il facilite de bagaille dis nous plus facilite pour pardon dis nous plus les facilités, oui très bien, les facilités à travers un décret qui est publié le 4 mai 2023 et décret ça, les facilités, premier ça les facilités que pour sanction yo qui était procédure était très lourde parce que ça qui est important pour déclencher un procès, il faut avoir accès à dossier. Maintenant qu'on a décret ça, il prévoit qui ça, il prévoit les toutes sanctions internationales yo, qui pas seulement sanctions onusiennes, toutes sanctions internationales l'article 97 alinéa 6 là. Alinéa C pardon, 97.C. Il dit toutes sanctions internationales, yo, Canada, États-Unis, Nations Unies et République Dominicaine, depuis une sanction prend à l'encontre de un individu en ressortissant haïtien, qui ça, le ministère de la Justice gagne comme devoir, ça c'est charge du ministère de la Justice, le ministère de la Justice l'a transposé sanction ça. Souvelez mon calil pour t'étais souvelez mon calil pour avancer. Oui, au cap. Allez. C'est lumière à chercher. M'appelle article 97 là. Ça le dit. 30 secondes. Article 97 là dit. Le ministère de la Justice, d'ailleurs, il dit du gel des fonds et autres biens liés aux financements du terrorisme. Intitulaire. Et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est chargé de transposer par arrêté ministériel au niveau national la liste des personnes et entités désignées établies par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça li parlé qu'on y a la transposer liste moun sa yo yo prend sanction dans yo Nations Unies la transposer non ça revient dans droit national là. Oula, petit B, identifier et proposer la désignation des personnes et entités conformément aux résolutions et à toute résolution subséquente par arrêté ministériel. Petit C, c'est là que quelqu'un vous posez à transposer par arrêté ministériel les listes de sanctions établies par d'autres organismes internationaux et désigner des personnes et entités soupçonnées d'être liées au terrorisme, au financement du terrorisme, sous recommandation du CNLBA. Qu'est-ce que c'est CNLBA? CNLBA, son comité arrêté, décret ça a lui-même créé, et le comité national de lutte contre le blanchiment d'argent. Maintenant, comité ça qui ça a comme devoir, c'est saisir autorité compétente pour les gains blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, pas oublier que blanchiment d'argent n'est pas une infraction autonome. Pour un blanchiment d'argent, il faut avoir une infraction principale. Donc, pour un blanchiment d'argent, il faut qu'on blanchisse. Si soit son compétition en corruption, moi, je travaille dans l'État en tant que directeur général ou bien en tant que directeur des services. Donc, par exemple, CAS, je prends un blanc, ça me permet mal ouvert en commerce, mal ouvert en pompe gasoline. Donc, comme ça, je prends un CAS là, moi, je prends un pompe gasoline. Donc, c'est pompe gasoline ça qui fait blanchiment pour moi. Moi, c'est un chanteur. Moi, je joue en balle. Moi, je prends balle, ça a connu. Balle, ça me prend comme une couverture. Et puis, ça me fait prendre comme moi, je prends dans l'État. Moi, je dis, c'est comme ça. C'est comme balle là. C'est comme balle là. Donc, c'est blanchi à travers balle là. Donc, maintenant, qu'on y a, à travers disposition ça, deux dispositions ça, 97 et 11 ans qui créent. Parce que 11 ans, c'est vrai que moi-même, moi, j'ai un balle béni sous réserve, moi, j'ai un sous l'écréat. Mais quand même, décret A, l'irrité en décret qui est applicable. Pas aucun monde, parce que moi-même, moi, si j'ai écrit sous décret ça, m'écrit article sous lui, m'alerte et opinion publique là, moi, dis son décret qui est dangereux, moi, dis décret A. D'ailleurs, décret A, son bagage, décret A, abrogé ni loi
sous ni loi 2013 là, sous blanchiment d'argent, ni loi 2016 là. D'ailleurs, décret ça, puisque l'est applicable, jodi an, Konal pas existé. Jodi an, Konal pas existé. Décret a annulé ni Konal, li annulé ni UCRES, li créé l'autre institution qui pas même coexister matériellement. Rete. Donc, ben oui, son décret qui. C'est peut-être ça que. Moi, toujours. Non, ou pas penser que immédiatement ta vin gen parlement gen possibilité pour pouvoir kap vini yo si yo estime décret a mérité annuler ou bien passer mais ou ka modifier ou bien annuler pas même parlement même gouvernement ça aujourd'hui un gouvernement connu avec le conseil présidentiel là yo gen pouvoir que yo même soit pour abroger décret ou bien pour yo faire retrait de décret. Non mais Konya, si vous faites retrait sur lui, est-ce que nous avons dit et pas quelque part et tout au peur parce que article ça, il va nuire non même article 97 là. M'appelle le devant là, il va nuire. Donc ça, effectivement ça quand mal interprété parce que comme historicité texte ça tout, texte ça c'est un texte qui là comme ça. Texte ça c'est un texte qui dans le palais national. Sont malheureusement sûr même là que je suis tenu au secret professionnel, je suis soumis au secret professionnel, mais pas dit. Mais texte ça c'est un texte qui là de M. Jovenel Moïse. D'ailleurs. Les textes qui sont sur le texte marqué, et on va pouvoir le marquer, même si Jovenel Moïse qui était sous lit comme projet. Projet qui est Jovenel Moïse qui était sous lit. Son texte là, c'est Jovenel Moïse. Et attention, professeur, si vous regardez avant l'article 90, il y a un texte là tout devant moi. Donc, dans section 3, il dit du gel de fonds et autres biens liés au financement du terrorisme. Où mettre devant ces professeurs? Bien sûr. Un gros texte lié. Oui, non, mais c'est un texte que je dis, par exemple, Jean Abdian, si le ministre du gouvernement, ça, il dit, écoutez, comme métonome t'es sorti, on met en ligne, t'es sorti. Non, métonome a fait pas, non, pas de problème. Ok, métonome dit que. Gagné tout de suite après mesure ça États-Unis par la compte de l'ancien ministre Michel Martelly, monsieur Gaïkoni comme premier ministre dit ça a été convoqué en conseil de sécurité ou bien en réunion tout de suite à la cabinet. On t'a dit que après conseil de sécurité ça et convocation de gagné en cabinet réunion à cabinet. Je t'ai dit ah quand même c'est pas une décision moindre, c'est contre le président de la République et en sus de ça l'ambassadeur américain en Haïti, il conforte décision, il parle de lui, il traite ancien président de gang. Il dit son gang à cravate. Je dis, si le gouvernement dit, écoutez, nous pas arrêter sans réaction, il faut réagir. C'est-à-dire que, il a réagi, il y a des petites provisions légales, nous devons réagir. Eh bien, c'est le travail du ministre de la Justice. Maintenant, je dis, le ministre, il a juste utilisé le ministre Abral dans l'article 97 là. Bon, c'est pour consulter ce moment ministre, parce que le ministre est très compétent, même passé, mais le ministre est compétent, passé de mon côté, dans le cabinet. Il a pu utiliser l'article 47 dans le bon outil. Il a dû être fait par la presse diplomatique, demander au FAC ensemble dossier ça, parce que le texte en dit, il a transposé sanction ça. Yeah. Transposer, c'est demander communication dossier. Maintenant, Kounian, il a utilisé l'article 47 et alinéa CA. Il a demandé communication dossier avec l'autorité américaine. Il a bayol et automatiquement, pour ça a fait. Recommandation article 11, il y a article 11. Article 11, il y a dit que c'est CNLB qui parle saisir l'autorité compétente. Et première décision que le ministère de la Justice prend, ça va le faire. Il va écouter tout bien M. Martelly en Haïti. Quand ça le monde en tout, tout bien mon sagain, il va commencer à geler. Et là, c'est là que j'ai estimé que les textes sont dangereux. Pour qui ça? Pour qui ça le dangereux? Même leurs textes sont un bon côté, ils ont bien fait, mais ils ont bien fait. Donc, pour qui ça? Parce que le ministère de la Justice, texte, là, article 97, là, où dit effectivement que c'était ou pas tellement raïl, mais il y a un ministère de la Justice, là, quand on prend une décision proprio motu, ça veut dire que de lui-même, il a décidé pour être capable de geler. On dit que Martelly bien pas, ou pas fini, tout, bon. Soit continuer. De 97, 98 jusqu'à article 101, libère ministère de justice plein pouvoir. Non, plein pour pouvoir. Pour ordonner, il dit ministère jusqu'à ordonner pour geler fonds, geler biens, etc. Effectivement, là, il est dangereux. Par exemple, Martelly, il dit Martelly, il y a une rumeur, toujours dit Martelly, M. Martelly, il y a un cas qui vaut rumeur, c'est bon parole. Alors, par contre, pour prier, mais il te dit, c'est l'argent prêté dans la banque. Donc, son bill, son big, on vit là, le faire en bas. Quand il y a ces gangs, il n'y a pas de jules, il n'y a pas de jules. Son l'argent gaspillé.
L'État qui a saisi. On dit que comme ça, c'est pas un comme ça, lié, son comme ça, il fait vraiment ses comme ça. Jodian, Kailian, Bolan, Mea. Ministère de la Justice, il y a un pouvoir pour le aller, j'en saute dit, dans le texte là. Le ministère de la Justice dit sans passer par un juge, en fait. Le ministère de la Justice même, parce que le ministère de la Justice, c'est qui ça? C'est l'exécutif, en fait. C'est le pouvoir exécutif. Ouais. Donc, texte là, le pouvoir exécutif là, on doit, pour le aller, pour écouter Kailian, moi, ordonner M. Lille. Alors que l'exécutif, il n'y a pas de droit pour l'initier dans l'affaire judiciaire. Il n'y a pas de droit ça, parce que l'Ibal, on pouvait lui-même pour le faire ça. L'Ibal, okay. Pouvoir ça pour le faire. Ben oui, c'est ça, c'est pouvoir ça que l'Ibal fait. Ce qui est anormal, parce que le ministère de la Justice, il y a une qualité, à contrario, il y a une qualité d'autorité de poursuite. Pour qui ça? Parce que l'autorité de poursuite à travers le commissaire gouvernement. Texte là, c'est peut-être ça, moi, toujours dit que les autorités politiques haïti, n'a pas eu ça comme défaut tout été. Il y a un messe. Ou on parle de la tête, ou son grand journaliste, ou grand pile connaissance, ou après être ministre de communication, il va dire non, il n'y a pas de ministre de communication. Il n'y a pas de ministre de communication. Non, il n'y a pas d'équipe. Il y a plutôt pour un monde qui est dans l'équipe, pourtant, et le monde qui est dans le gouvernement, ça, et c'est le monde qui est dans le recul. Par exemple, Texas, en tant que Texas, il a adopté ce qui est sous Emily Prophète. Et Emily Prophète, c'est bien dommage que je ne sais pas si Texas a été avec Evila, qui est le chef de cabinet, et Emily Prophète, que moi-même, que je connais compétent. Texas, à disposition, ça, eux, t'as choisi de dire que yo pas bon, yo pas même les blancs, t'es dit, on dit blanc, blanc dit, faut Texas passer. Pas de problème pour passer parce qu'effectivement, nous pas évoluer dans eux temps-ci. Nous connaissons que frontières, nous faisons en sécurité, nous connaissons que droits blancs, dangereux, nous connaissons que corruption, les dangereux. Pas de problème pour tout le bagage, parce qu'on sécurise l'autre pays. Mais quand on a dit blanc, excusez, ça, c'est pas blanc, c'est utile. Nous pas qu'à dire le ministère de la Justice, parce que le ministère de la Justice, c'est l'exécutif. On retire pour nous dire le parquet, la saisie, on juge d'instruction, bien le droit, etc. Il n'y a pas de comme ça. D'ailleurs, dans la loi 2013, là, que nous travaillons sur l'équipe dans le livre avec la loi 2016 sur le blanchiment, pour voir ça, qu'est-ce qui gagne, ce n'est pas le ministère de la Justice qui gagne. Il retire pour voir ça dans le droit. C'est le droit qui gagne. Effectivement, il y a une urgence. On dit que yo reproché Martelly, peu importe River, peu importe l'autre monde, Jean-Henri Séan, tout le monde a été etc. Peu importe monde. Yo reproché de yon fait qui relevé d'une particulière gravité. Bon urgence pour presser, pour monde ça pas presser, c'est un le détournement de dissimulation bien yo. Yo pressé al gelé yo, gelé pas de tout saisir pour ça. En fait, gelé pas de dire bien que mon a dépossédé, mon a pas propriétaire, mon a toujours propriétaire. Maintenant, où voulez faire le kounia, pour faire autorité judiciaire faire. Parce que son mesure coercitive, ni ou pas qu'à faire l'exécutif lui-même encore, qui m'a de poursuivant, c'est lui-même encore qui allait pour le dire qu'on appelle le gelé yo. Ça, c'est anormal. Maintenant, Libal en plein pouvoir. Et c'est malheureusement que Texas, moi t'es allé à opinion publique sur les jambes capables. Mais côté avocat, même dans des débats faits sur Baïza, non même, c'est où seulement dans des parler sur lui, oui. Regarde un pays difficile. Oui, j'aime débat sur lui. Je dis en fournir Texas, ouais Texas, là pour retourner ni contre mon Ariel Yo qui était sous Ariel Yo, parce que par exemple, demain c'est vous, par exemple, mon petit sanction, vous capable contre un qui est dans le gouvernement Ariel là. Non, son texte qui est en plus bas parce que ce qu'on a dit là, par exemple, si je regarde en section 4, il dit que du gel de fonds et autres biens liés au financement de la prolifération des armes et destruction massive. Bon, il dit que dans l'article 102A, il dit le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ordonne par arrêté ministériel le gel sans délai des biens, fonds et autres biens des personnes et entités désignées au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui donc son texte est Blanc-Banon, texte ça? Oui, moi je dis texte là, effectivement, c'est dans le palais national. Son texte est dans le palais national. Texte a gagné. Mais le cas utile pays à tout, oui, papa? C'est tellement qu'il y a dans le pays, ça. Le cas utile, oui, mette plaise. Li ap utile, mais ça me dit pas comprendre. Par exemple, ouais, ou saute toute disposition ça, c'est non même disposition ça, ou gade pour, c'est même texte qui dit. C'est le ministère de la Justice même qui prend la liste et choisit les gens qui sont moins. C'est lui qui a choisi les gens qui sont dans la théorie. Parce que même lui-même qui a sélectionné les gens, c'est lui qui a désigné, c'est lui-même encore qui prend le jeu. C'est que le ministère de la Justice a fait un tri. Jugé parti. Il juge parti, il dit me font tri. Je prends X, Y, moi je désigne comme mon qui était dans financer gang, etc., ZAM, etc., prolifération, etc. Et puis lui-même encore, il dit moi-même, moi ordonné pour me geler. Donc son texte est dangereux, son texte n'est pas respecté les dépendants judiciaires. Alors ça qui fait le dangereux, professeur Blaise, imaginez même ministre justice ça, qui prend l'ordre, qui a ordonné
pour geler bien alors que même ministre ça gagne nol cap un exemple bravo mais c'est une vérité tout bail qui gagne nol qui cité dans zam cap entrer soit il port de paix vienne pas au prince donc là bas mélanger est-ce que qu'il y a un juge là lui même il a appliqué sanction contre lui en fait mini justice en fait si mini justice là non mais d'ailleurs la première chose c'est que si mini justice est en fonction c'est que il pas cap poursuivre pendant il en fonction c'est la première Yeah. La deuxième chose qu'on y a, même une justice là, qui a ordonné, une justice qui a ordonné pour le juge, il prend toutes les coercitives, ça y est. Demain, si Dieu veut, c'est lui qui est victime de texte encore. Demain, c'est lui qui est victime. Maintenant, c'est peut-être ça que moi, j'ai alimenté, je ne suis pas entré dans la profondeur de texte, etc., pour me parler de texte mal. Parce que texte, il y a une utilité, bien entendu. Il y a une utilité. Mais maintenant, moi, j'ai attiré l'attention de l'opinion publique sur deux bagages. Sous question de texte qui ont décret et n'est pas possible pour faire ça pays et par contre pour qui ça peut-être que toute inimitié ça ou toute animosité ça contre moi même parce que c'est démappé des gens et médias c'est démappé des pays parce que je ne vais pas bénéficier par autorité pays je ne vais pas consultation dans aucun pouvoir l'état je ne vais pas bénéficier rien que dans le pays sauf que moi même Haïti chaque fois que je vais aider Haïti de déranger ces deux mondes qui raillent pour gagner ici comment y a un monde qui a fait dire que tout le monde qui était beaucoup de Ariel Henry il y a tout le monde qui est dans le palais national. Jodi an, et en plus, on est dans le palais national. Donc, je ne peux pas exempter que moi-même, moi Josué Pierre-Louis, par exemple. Oui, sonnet dans le cabinet Josué. Oui, donc maintenant, je ne peux pas comprendre que pour accepter, pour dire, on décret dans la disposition finale. Je ne peux pas dire qu'ils sont habitués, mais non. Si je dis à mon rivé dans l'institution, et pas parce que je suis contre les gens, c'est une capacité qualité pour me dire, pour ne pas camper pour me dire pour le ministre ou bien blanc, je ne peux pas dire qu'on décret, il a annulé en loi. Il faut que j'ai un courage pour me dire ça. Donc, je dis à mon contexte, yo dit dans la disposition finale là, yo dit décret a annulé ni loi 2013 là, ni loi 2016 là. Je dis un bon décret qui crée des institutions matérielles qui pas existé. Moi je dis normalement si décret a pas appliqué, je dis moi si mon client yo arrêté, m'a dit carrément qu'onal pas compétent. Parce que bon décret qui dit qu'onal annulé pour qu'onal pas là. Bon décret qui dit UCREF pas existé, m'a dit écoutez, UCREF pas attendre des clients non. Son gros déclaration oui. Mais oui, c'est ça, Décret dit, c'est pas moi. Décret a créé une bonne institution qui remplace Bafos. Bafos, c'est qui ça, Bafos? Bafos, c'est une institution qui est dans Konal, qui est là pour gérer bien l'État. Lorsque Konal estime que bien ça, son bien qui par exemple, on dit, sous question de ancien président Michel Martelly, il estime l'État, la justice, que l'Iran en décision, en confiscation, il confisque bien Martelly. On a bien ça, on a si on vient entrer dans le patrimoine de l'État. Mm-hmm. Monde qui gère bien ça, c'est une institution qui est Bafos, qui est dans Konal. Je vous dis, décret à l'annuler, il crée une autre institution en place de Bafos. Waouh! Bon, Une institution en place de Bafos, matériellement qui n'a pas existé. Donc, son décret qui a un problème, sans que c'est même genre avec le code pénal, procédure pénale, qui prévoit un paquet d'institutions qui va même exister matériellement. Je vous dis, au bon décret qui est appliqué, qui est entré en application, qui a annulé en pile d'institution qui existait déjà, qui crée l'autre institution matériellement qui n'a pas existé. Et on décret qui annulait c'est une loi qui était existée qui t'a bail pas dit ça bail résultat mais au moins que qui était sous plan de légitimité que qui était légal. Donc pour question de transposition, est-ce que Haïti lui-même l'ICA agit ou réagit dans le cadre de sanctions internationales dont celle infligée à l'ancien président Michel Martelly? Oui, gagné en disposition légale sur le décret 4 mai 2023 qui bail ministère de justice en plein pouvoir pour lui-même, pour lui capable de mettre en application toute procédure de transposition sanction pénale ça, et puis prendre des mesures conservatoires qu'il prévoit dans le décret. Maintenant, ministère de justice, c'est un bagage hautement politique lié. Un bagage que le ministère de justice parle pour un grand matin pour lui consacrer, il ne dit pas la transposition, il ne dit pas le transposer des sanctions internationales. Je pense que ça, c'est un bagage qui a relevé de premier ministre là. Ou bien conseil présidentiel là, qui a ordonné ministre et qui a dit ministre, écoutez, transposer toute sanction ça yo, parce que maintenant des EECC, RNDDH, tout le monde a plein pour un seul bagage. Pour qu'il y ait une pile de sanctions qui a pris sur l'international, alors que dans le droit national, en droit interne, pas aucune poursuite qui fait. Eh bien, sous Ariel Henry, je dis, en 4 mai 2023, Ariel Henry, baille et payant un instrument juridique, un instrument de droit qui est capable que servir. De documents pour être capable de transposer sanctions ça et puis appliquer dans le droit interne. Maintenant, dans le cas là, ballon à l'île en pied, Gary Connay. Bon, oui. Avec le CP. Certainement. C'est
c'est on pas même dit le CP même, c'est le CP, la fonction présidentielle, c'est une, mais c'est le gouvernement. Ouais, c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui vous dit est-ce que l'I a transposé sanction ça yo pour dire laisse une transposer au Kounia avec la dangerosité que cela comporte. Pour le transposer et puis laisser transposer pour le faire triomphe pour dire que c'est monde ça c'est monde que qui lié à financement théorique etc qu'on a pour tester pour suite contre maintenant avec des décret ça tout faut nous comprendre en bagaille si jodi on gagne une autorité pour ancienne autorité politique qui était sanctionnée par le Canada par la France par les États-Unis qui ont décision qui est en cours un dossier qui ont affaire qui est en cours et ont décision de justice qui sortit en faveur. Je dis en décret ça, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de faire tout. Par exemple, on prend exemple de Nenel Kassi. Nenel Kassi, tu as dit que les grands dossiers, on va faire, qui a un rapport avec le financement d'un, qui a un rapport avec la prolifération d'armes, qui a un rapport avec le terrorisme, qui a un rapport avec le blanchiment d'argent. Je dis en lien devant le tribunal. Le tribunal dit écoutez, ou blanche contre la neige parce que on ne peut pas conclure la culpabilité. Depuis le tribunal pas conclu la culpabilité et décision ça pas gain appel qui fait ou bien il fait appel à la cour de cassation ou bien pas gain cour de cassation li atteint autorité de choses de choses jugées li passe en force de choses jugées s'il passe en force de choses jugées bon ça décret ça pas ka faire encore parce que il y a une décision de justice qui sorti dans même aspect a qui dit que li te kon financer gang li te kon ba konnen li te kon ba kay nan drogue jodi an la justice dit consacré c'est menti, c'est pas vrai, il n'est pas conclu la culpabilité. Et ceci vaut pour Privert, ça vaut pour Jean-Henri Séan, ça vaut pour Yuri La Tortue, ça vaut pour n'importe monde qui a sanctionné, ça vaut pour M. Gary Godeau, qui a sanctionné sur l'international. Si la justice est conclue à un nom de culpabilité, eh bien, je dis un décret. Il y a beaucoup. Li... Et m'a quoi poser tout. Maintenant, Kounia, si il a gagné une décision de nom de culpabilité, Kounia, je dis un. Si on demande extradition, et c'est là que ça devient intéressant. Pas bien, le décret prévoit extradition. D'ailleurs, le décret prévoit extradition, pas dit facile, mais il prévoit extradition claire pour nous. Il prévoit extradition, il prévoit disposition en bas, après l'article 100 combien, il prévoit extradition. Je dis, si il y a un monsieur, il y a ancienne autorité politique, il y a sanctionné sur l'international, qui a bénéficié d'une décision favorable. Décision favorable d'Akounian, yo même, il y a fait valoir pour dire, yo pas à extrader, parce que pour extrader mounan, c'est ça décret à dire, pour extrader, maintenant, ou t'as poursuivi en Haïti, sous poursuivi Kounian, acte de poursuite en quel paquet, mais ou pas à extrader encore. Voilà en gros outil juridique qui gagne, qui permet que l'autorité haïtienne soit capable d'agir sous sanction internationale. Kounian. Ouais, ben, M. Blaise, c'est ça. Merci infiniment pour éclairer ça, parce qu'un pile moun pat konnen. Souvent, document yo là, mais nèg yo pa gen trop temps pour yo li yo. Parfois, c'est ou même qui permet que pays a konnen te gen tel bagay ki te là. Ne sa te fèm de di fon fon ti parler. Merci, professeur Blaise. En pile succès, et puis continuez, fait y dormir ou fait y rêve ou, kembe là. Merci, en pile. Je vous en prie. Bon, ou konnen rêve ou, fait ou bagay moi et sa m'de yo. Donc, merci beaucoup, Tete, et puis son plaisir. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous capables d'échanger avant et surtout. Si nous avons un outil pour payer, nous avons un outil, même nous avons une neutralité à toute indépendance. Ouais. Et c'est bien dommage qu'il y ait un peu de monde qui a pensé que nous-mêmes, que nous dérangeons, nous ne pouvons pas déranger personne, nous sommes sous évolution pays. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci, professeur Gerby Blaise. Effectivement, dans l'article 168, il parlait de l'extradition, le demande d'extradition.